miracle, mais pour les choses qu'ils ont après. Ils se sont dit, si le propriétaire de la maison va les accuser, problème la maison est mais notre souci, c'est Jésus que nous voyons. Si tu es attentif, tu ne sortiras pas. Si tu dis Amen, je vais encore appuyer. Si tu dis Amen, je vais encore appuyer. La Bible dit ils ont enlevé les toits de la maison. Le problème, ce n'était pas la foule. Mais le problème c'était qu'il rencontre avec le Seigneur. C'est pourquoi en enlevant la toit, ils n'ont pas regardé là où les gens étaient. Mais ils ont regardé là où Jésus était. Vous savez, beaucoup de gens viennent à l'église. Parce qu'il y a une influence quelconque. C'est pourquoi là où il y a cette influence, dès qu'on te fait quelque chose du mal, ceux qui passent le moins comme on commande, ah ok, sous l'église ou là, je ne répète plus dans cette église. Ma bêtise va les barbou. Ah, ils m'ont changé. Ma bêtise sur les barbou, on a pas ça bateau. Mais ceux qui y a des panaïens sont dans l'ombre de l'église. Ceux qui t'ont scandalisé sont les hommes. Mais si tu étais venu à l'église pour Jésus, tu ne quitteras pas l'église. Alléluia. Amen. Je le crois de tout cœur. Je ne connais pas Pasteur Siméon. Il était mon frère. Ainsi que la beauté, il y a combien de mots sous sa bâté. Ce qui est allé comme la Yesu Masina. Il ne prêche jamais autre bout. Vous pouvez vous dire que c'est le cachet de Yesu. Amen. Bonsoir, ok, vers Jésus. Parce que si tu vas vers Jésus, beaucoup d'un ami va goûter. Tu ne seras pas scandalisé. Alléluia. Ils vont faire descendre dans la direction où Yesu s'arrête. Jusqu'à sur la direction où se trouvait Jésus. Écoutez, frère. Lorsqu'ils ont fait l'enfer, ils sont restés au-dessus. La présence de Yesu. Ils sont fait descendre de la personne devant la personne de Jésus. Ah, la Bible me dit ceci. Bibi et Lobin Angaboye. Depuis le champ des temps, le temps de Jean-Baptiste. Jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont des violences qui s'en emparent. Les violences qui s'en emparent. La vie est sans attendre. Si vous avez des violences, c'est au besoin à côté. Dans la vie, il y a des choses. Si tu ne pratiques pas la violence, tu ne les auras jamais. Même la foi est celle de la violence. Même la foi a besoin de la violence. Ça croyait, nous serions au signe, ma terre, mais pas la foi. On revient au signe. Je te dis que ça ne marchera pas. Mais toi, par la violence, dans la foi, tu dis ça marchera. Les gens te disent que cette maladie est incurable. Toi, tu te dis, moi, je crois, je serai guéri de cette maladie. Même s'il y a des gens qui ne sont jamais guéris de cette maladie, je serai la première personne d'être guéri par cette maladie. Alléluia. Amen. Devant les troncs de la grâce. Quand la personne a la foi, il a l'assurance. Amen. Il va recevoir la miséricorde. C'est pourquoi, lorsque la Bible dit, Jésus voyant leur foi. Yesu amoni kondima la bango. Alléluia. Voyant leur foi. Voyant leur assurance. Comment l'assurance est la mambo? Yesu a donné à Pessi et l'eau va bosser à la trône. Et il y a la première chose qui est sur le trône. Dieu l'a aimé. Jésus a dit paralytique, tes péchés soient pardonnés. Jésus lui a dit que tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Tes péchés te sont pardonnés. Parce que c'est ce qu'on trouve d'abord en première position devant le trône de la grâce. C'est la miséricorde. Et quand il a dit comme cela, les scribes étaient là. Ils ont commencé à murmurer. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui aiment murmurer même quand la fin de l'air ne concerne pas. Quelqu'un qui veut se marier, on présente le fiancé à l'église.
Bah, attends ici, ma bande ici, l'église, quand tu commences à murmurer, il y a un peu de mal. Écoute, il s'est bien embêté. Ça marche pas. Il n'a pas connu la bien-être. Ah, il n'a pas bien choisi. Sauf que ça a un an à côté de la bonne. Ah, si c'était moi, je ne pouvais pas regarder là-bas. Mais attends, t'as la vie pour la tête à côté de la période. Il y a des bénédictions qui sont destinées à des personnes à vous. Amen. Ça ne sert à rien de murmurer inutilement. Si la personne reçoit, laisse-la recevoir. Non, pas pasteur, il faut la parenthèse, mon corps. Dis, pasteur, ouvre une parenthèse là. Vous voyez bien dans la vie, mon dos la suite, mon talibosso. Tu sais, dans la vie, la personne qui reçoit en premier, faut dire. À ma bête. Il n'a pas manqué, mais à son courir un risque. Mais il court un risque. Tout le monde a risque à nos amis. Demande-moi quel est ce risque. Risque, Zali, parce que où il y a eu de monnaie. Parce que. Mais où il y a eu de monnaie. Parce que. Bon, le quoi la monde est un peu évolué. Parce que. Peut-être qu'il n'y a pas de monnaie. Un jour, il y a eu de hors série. Mais où il y a eu de monnaie. Je suis allé dans une maison pour chanter des voix. Si mon mariage pour me salaire, et il y avait un mariage, le mariage en gros, c'est le roseau de la sacrée à trouver un moyen. Dans ce mariage, il y avait une femme qui avait une taille moyenne. Maintenant, le mariage va côté. Et ces gens qui étaient venus, bah, venus se voir la taille moyenne. Ils ont présenté le voile de la taille moyenne. Ce qu'on peut pas mener en haut. Et lorsqu'ils ont mené ça, esprit Yelinga, un esprit qui m'a dit, mais ces voiles ne sont pas terminées. Parce que quand on a ils ont pris juste la taille moyenne. De la taille moyenne. Mais la carte à magasin, mais dans ces magasins, la taille avec pesa. Il y avait des petits détails. La taille à moi miné de pesa. Il y avait aussi des grands détails. C'est-à-dire, ma voile est sur la carte, voilà. C'est-à-dire, la même affaire dans il y a des choses, faut que ça grâce. Si ce n'est pas la grâce, au cours soit monté. Tu ne peux pas les recevoir. Il y a une chose qui est vraie. Et parce qu'il y a une chose qui est vraie, moi, âge est poussé. Et l'âge est avancé. Sauf qu'il est cabanibal. Si le problème de la jeune fille. On va prendre les jeunes filles. Alléluia. Amen. Mais il y a le coup de la grâce, ça. Mais toi, comme il y a la grâce, on peut remarquer que la sortie de la jeune fille, et tu vas remarquer que la sortie de la jeune fille. Quand Jésus a pardonné les péchés, lorsque Jésus a pardonné les péchés, et cet homme, il y a Motowana, les gens ont commencé à murmurer. Lui, comme il était, il a compris leur pensée. Il est encore dans la mais à ce soir, il est calé. Il leur dit, pourquoi vous murmurez? Et l'homme dit des arabes. Mais qu'est-ce qu'il y a de difficile de dire à quelqu'un que péché te soit ou dire à quelqu'un lève-toi
prends ton lit et marche. Mais pour que vous sachiez que le fils de l'homme a le pouvoir, il a devant son trône, pardonné la miséricorde, il a obtenu sa deuxième numéro qui est la grâce. Et je vais sortir le dernier numéro qui est le deuxième numéro qui est la grâce. Et ça, c'est Jésus qui parle. Il a dit, j'ai sorti le premier numéro. Et comme vous avez murmuré, et je vais sortir le deuxième numéro, qui est la grâce. Et qui est la grâce. Oh, j'appelle ça la grâce. Parce que les paralytiques. Aucun médecin n'avait pu guérir ces paralytiques. Peut-être ceux qui font les, la kinéthérapie. Ils ont essayé, mais ça n'a pas réussi. Mais là où les gens ont échoué, c'est seulement la grâce qui peut agir. Là où les gens n'ont pas pu, c'est seulement la grâce qui peut faire quelque chose. Mais pourquoi Jésus a libéré la grâce? Il a dit au paralytique, il ne l'a même pas touché. Il a donné l'ordre. Lève-toi. Prends ton lit. Alléluia. Quand il est venu, le lit avait amené le paralytique. Mais dans le paralytique a télémi, et lorsque le paralytique s'est levé, Jésus ne lui a pas dit de sortir comme ça. Lui, sois paix de corps. Il a dit, prends le jour. Comme c'est lui qui est en charge, il t'a pris une charge, qu'on me fait changer. Il n'y a pas de choses à y en charge. Il n'y a pas de choses à y en charge. Aujourd'hui les choses changent, nos bails ont changé. Lorsqu'il a pris son lit, et lorsqu'il venait pour entrer, les gens qui l'empêchaient, qui le disaient que tu n'as pas. Mais tant va vivre le miracle. Mais lorsqu'il a vécu le miracle, il a vu qui s'appelle la grâce. Qui s'appelle la grâce. Il s'est dit, il est là, 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 il n'a pas demandé le miracle. Alors, quittez, s'il vous plaît. Et le miracle. Mais le miracle. Et ça, qui va nous battre, qu'il est là. Avec le miracle. Avec le miracle. Les mêmes personnes qui lui avaient empêché d'entrer, on ne va plus qu'au loba. Et ce sont eux qui commençaient à dire, on n'a jamais vu quelque chose de mal à la campagne. On n'a jamais vu quelque chose de mal à la campagne. Et la prophétie. Oh, je vais jeter une prophétie. Et l'autre, on s'en va sur ça à la vie d'ailleurs. Il y a quelque chose de là, il y a quelque chose de là. Si je suis là, c'est un homme à Paris. Yo, aussi, ma yambo. C'est que les gens ont pas l'obéissance à la main, il y a mal, 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 il y a m
Jésus a secouru cet homme. Yesu asungi motoyo. Que Jésus vienne au secours de tes besoins. Yesu. Que Dieu bénisse sa parole. J'invite mon pasteur pour la prière. C'est là où les écailles tombent. Et maintenant, on commence à discerner qui est le vrai et le faux. Amen. Parce que je veux dire à l'église, là où il y a les faux, il y a aussi les vrais. Parce que moi, je suis d'accord que même à Paris, il y a aussi des faux. Et d'ailleurs, la majorité, c'est des faux. La majorité, papa.
Dis-moi Amen. Amen. Il y a une chose qui m'a tellement touché. Pendant que Moïse brisait la loi. Et la Bible dit qu'au travers de cette loi, il y a combien de personnes qui étaient destinées? Et la mission du Seigneur sur la terre était pour restaurer tout ce que la loi avait décrit. C'est pourquoi il ne devrait pas restaurer 3002 personnes. Non. Mais il a ressuscité le nombre qui était décédé. Et dans ta famille aussi, il y a la loi. Mais qu'est-ce que la loi a décrit? Si tu n'enfantes pas parce qu'il y a une loi qui a décrit dans la tête. Si tu ne te maries pas, il y a la loi qui a décrit ton mariage. Si tu n'avances pas parce qu'il y a une loi qui a décrit ton avancement. Si tu es bloqué, il y a une limitation de la vie au travers de la loi. Mais pendant que le Seigneur nous a ramené la grâce, la grâce c'est quelque chose d'immérité. Nous allons dire à Dieu, même si je ne mérite pas le mariage, selon ma famille, je ne mérite pas avoir des enfants. Selon ma famille, je ne mérite pas être élevé. Mais par la grâce, aujourd'hui, cette loi va tomber. Pour que ma vie change, tu vas confesser avec moi. Au nom de Jésus-Christ, toute loi est établie dans ma famille. Qui a décrit mon mariage? Qui a décrit ma fécondité? Oh,
que cet homme était un paralytique. Les gens se sont décidés. Ils ont dit, comme Jésus est en train de travailler, nous acceptons d'abandonner notre travail, d'abandonner notre occupation. Nous allons te mettre sur nos épaules, nous allons te porter jusque là où se trouve Jésus pour ta guérison. Amen. Tu dois savoir et te rassurer que cette église, le pasteur de cette église, c'est un porteur du paralytique. Alléluia. Je voudrais t'attendre bien. Alléluia. Cette église est en train de porter un paralytique. Alléluia. Et ce paralytique, c'est toi. Amen. Nous n'avons pas une autre destination à t'amener si ce n'est auprès du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais tu dois savoir une chose. Qui avait une barrière devant, qui avait des obstacles devant. Il y a des gens qui n'étaient pas contents à la guérison de ces paralytiques. Bien aimé, qui va faire la prière? Alléluia. Qui est contre ta guérison? Qui est contre ton élévation? Qui est contre ta bénédiction? Tu vas invoquer le feu de Dieu. Que le feu de Dieu brille, que le feu de Dieu consigne, qu'il carbonise tout celui qui est devant toi, qu'il tombe maintenant.